aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et avec Chloé qui a récupéré de la grippe. Donc on espère que ça va vous plaire, on va faire un maquillage dans les styles Kylie Jenner. Donc on va commencer avec une primer sur tout le visage. Évidemment, on va partir sur un fond de teint qui va être un petit peu plus foncé. Donc là, ce sera le Wake Me Up en teinte Sand pour avoir le teint à Kylie Jenner. Donc là, je vais utiliser l'instant anti-âge. Donc là j'utilise la poudre libre de chez Yves Rocher. On remet un coup d'anti-cerne, donc uniquement ici pour bien illuminer. Mais on va faire un trait beaucoup plus fin pour commencer à faire la raide du nez un petit peu plus fine. Continuer avec un bronzer. Donc on va mettre un petit coup de blush maintenant. Donc moi je vais utiliser la palette de chez Coastal Sense, il y en a 10. Et pour Kylie Jenner, on va partir sur un orangé marron. Évidemment, après, une Kylie ne serait pas une Kylie sans highlighter. Je vais le tenter à la houppette. Si je vois que ça va pas, on tentera un autre. Alors, par contre, Kylie Jenner, l'highlighter, elle le pose pas uniquement ici, ce qu'il faudrait faire normalement. Elle le pose également ici, en dessous de l'œil. Donc elle en met un tout petit peu sous l'œil, elle en met un petit peu plus après sur les pommettes, hautes. Je vais trouver comme ça. Hein. Mettez un petit pouce en l'air si vous arrivez toujours à me suivre. Évitez de croire. Voilà. Ensuite, on va en mettre un petit peu également ici, en dessous du sourcil. Évidemment, l'arête du nez. Tant bien que. Voilà. L'arc de Cupidon. Ici. Donc moi perso je le trouve bien cet highlighter là, mais je le trouve pas non plus mirobolant. Donc je vais en rajouter de la palette Naked Flush de Native, je vais utiliser celui-là. Par contre, là j'ai débordé, je te l'agrandis.
Voilà. Tourne un petit peu. Voilà. Bah, toujours à la houppette, hein. On change pas une équipe qui gagne. Et on en met un petit peu plus ici. Voilà. Et on en rajoute. Je mets deux doigts. Donc là, on pourrait croire que j'ai eu la main un petit peu lourde, hein, mais on estompe. Hein. Hop, ici, on estompe un petit coup. Là aussi. Voilà. Ensuite, on va passer au sourcil. Et on va partir sur un fard doré Urban Decay qui vient de la palette Vice. Donc je prends la liquide 2. Donc on continue. Là j'ai posé les faux cils à Chloé. Donc on va mettre du mascara, le Better Than Sex de Too Faced. Hop. Bon, ben là-bas, ça te voit? Oui. Donc on cherche pas à maquiller les fossiles, on cherche juste à coller les cils de Chloé avec les fossiles, tout simplement. Et là, je vais utiliser de chez Jeune Maybelline le Great Lash pour les cils du bas. Il y a un gentil petit souci de caméra qui a simplement lâché au niveau de la batterie. Donc, ce que j'ai fait en attendant de m'en rendre compte, évidemment, donc on a fini avec les lèvres. Donc j'ai utilisé le beige diadème teinte 62 de la marque Nivea et le Kiko en teinte 01. C'est le Kiko qui est vendu le crayon, ouais, il est là, c'est dans un petit packaging qui est vendu comme ça. Et donc c'est un nude très clair. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué le beige sur toutes les lèvres. Et ensuite, je suis venue éclaircir après avec le clair au niveau des lèvres, mais en laissant toujours un petit peu le beige apparaître. Et puis après, au-dessus, je suis venue mettre un petit peu de gloss pour justement faire un effet plumpé sur les lèvres. Et là, on va remettre un petit peu d'highlighter. Hop, sur l'arête de Cupidon. Vous pouvez en remettre un petit peu ici. Voilà. Si vous voyez que ça a perdu un petit peu en intensité, on en remet un petit peu là. Et voilà, hop, j'estompe bien le tout. Et voilà un make-up façon un petit peu Kylie Jenner. Donc on va détacher tout ça. Attention. Alors voici. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. On espère que la vidéo vous plaira. En attendant, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous!